Région de l'Est Cameroun, le voyage commence à Yaoundé. Premier arrêt, à Bomban. Dans cette ville coloniale, les problèmes sont connus. Les problèmes qui minent la population de Bomban, les jeunes, ils n'aiment pas l'école. Une fille n'a même pas encore 12 ans, 11 ans, elle a une grossesse. En bref, à l'Est, quand une fille part en mariage, c'est que la fille a encaissé la grossesse. Et son père lui met à la porte et c'est là qu'elle est obligée de partir en mariage. Parce que là, elle n'a pas d'autre choix que de partir en mariage. Elle va rester chez qui? Il y a aussi les problèmes des routes. Il n'y a pas de route à Bomban. Tu peux partir peut-être à Messamena, tu vois comment les routes sont gâtées. Ça ne nous permet pas de vite faire les transports et pouvoir se ravitailler. Nous arrivons à la gare routière pour une destination aux multiples choix. Notre dévolu est néanmoins porté sur Lomié en passant par Mindourou. À plus de 100 km de route, nous tombons sur un campement pygmé Baka. Ici, le quotidien n'est guère reluisant. On a beaucoup de problèmes, ce que nous faisons ici. On n'a pas l'école ici, on n'a pas l'eau, on n'a pas un hôpital ici. Si les enfants sont malades ici, on court aller à Lomié, 15 km de Lomié. Nos pères sont les pauvres, parce que ça manquait d'argent. À l'école, il n'y a pas les tenues, il n'y a pas les livres. On court à Lomé pour aller acheter les choses. Les pygmées accusent les Bantous de les marginaliser. Nos frères, ils ne voient pas que nous sommes aussi les gens. Parce que les trucs arrivent et prennent, nous on ne connaît pas. Faux, retorquent les Bantous. Les pygmées sont les premiers occupants de ce terrain. Mais malheureusement, ils sont les premiers à faire le désordre dans le vol, même tuerie entre eux. Ils sont nuisibles. Dans ce campement comme dans plusieurs autres, les organisations non gouvernementales effectuent des visites. Dans la perspective de susciter le développement, la région de l'Est Cameroun est la plus riche en ressources naturelles, mais curieusement la moins développée.